se retrouve dans une 7 a.m. morning routine édition automne. Et oui, le dimanche, je me réveille entre 7 et 8 heures parce que tellement de choses à faire le dimanche pour préparer la semaine. J'essaye de me lever d'un coup, de ne pas trop traîner dans le lit. J'ai de la chance, j'ai Adam pour faire le petit réveil automatique. Donc finalement, le dimanche, je suis obligée de me lever tôt. Et bien sûr, je viens tout de suite ranger mon appartement. C'est hyper important pour moi de vraiment cleaner l'espace dans lequel je vis. Ensuite, je réveille un petit peu mon corps, je réveille un petit peu ma peau. Je viens faire mes soins, donc je teste toujours la skincare de chez Typologie, qui est d'ailleurs très très bien. Toujours en train de nettoyer mon appartement, les choses que j'oublie de faire la veille, par exemple la vaisselle. Mais pas que, j'en profite, en plus c'est dimanche, c'est le moment de cleaner à fond, de nettoyer le sol, de faire les poussières, le nettoyage total. Moment du petit-déj, je me sers toujours un très grand verre d'eau frais, ça fait vraiment du bien le matin. Et souvent, je prends une Gerlinéa, celles à la framboise sont extrêmement bonnes. Et là, un kaki cette saison, je crois que le kaki c'est mon fruit favori. Et j'oublie pas mes cures de chez Les Miraculeux, vous savez, c'est les petites gummies, les petits bonbons à manger, c'est vraiment trop bon. Trying to see what's between us and not what we got in store. But the pain we feel is real and still it got me feeling so. J'en profite toujours pour faire du sport. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu mon ensemble incroyablement beau et la couleur de la saison. Et direction la salle de sport. Il faisait tellement beau, ça fait tellement du bien de se balader le matin avec un grand soleil. You've been feeling me and I've been feeling you. Wondering on what we really trying to do. Thinking every night. Laying up in bed and wonder if it's true. Hoping that the pain I'm feeling won't too. Got me feeling light. Recherche d'appartement, toujours sur le bon coin, je passe ma vie dessus. Sinon j'ai quelques petites choses à faire, par exemple réviser mes cours parce que je suis quand même étudiante. Et oui, je fais du japonais, je fais du mandarin aussi, donc il faut beaucoup de travail de révision à côté. Mais j'en profite le dimanche vraiment pour me focus aussi sur moi et sur mes cours. Bon. Important, je trouve, je me suis remise à l'écriture. Je sais que ça fait vraiment du bien d'écrire ce qu'on ressent, d'écrire nos sentiments, évaluer un petit peu ce qu'on a fait dans la journée. Je le fais souvent le matin en parlant de la veille, un peu avoir un recul sur la journée, comment je l'ai vécu, les choses pour lesquelles je suis reconnaissante aussi. Et je note tout ça dans mon petit carnet. La chance le dimanche de pouvoir faire une slow morning routine et ça vraiment ça fait du bien.